Bonjour, ici Patrick Lozo de Bibliothèque de Montréal. Je viens de terminer ma conférence sur les médias sociaux au Congrès des milieux documentaires et j'ai décidé d'accepter l'invitation de participer au bar à lecture spécial bibliothécaire. Aujourd'hui, je vais vous faire des suggestions de lecture en rapport avec les médias sociaux. Ce sont des livres qui m'ont inspiré, moi, dans ma réflexion autour des médias sociaux et des réseaux sociaux. J'ai décidé de partager avec vous quelques livres qui pourront vous aider à aiguiller votre réflexion et votre stratégie avec les médias sociaux. À commencer avec le Clue Train Manifesto, qui est un livre qui date d'une dizaine d'années, qui discute en fait du concept de la conversation autour justement des marchés et avec l'arrivée du web, de comment le web peut faciliter les conversations d'êtres humains un à un et un à plusieurs. Donc, c'est un livre qui est très court, qui se veut comme un manifeste. Il est en anglais, mais vous pouvez trouver la version française du manifeste sur le site web rattaché au livre. Ma deuxième suggestion, c'est Six Pixels de séparation de Mitch Joel. Il est aussi disponible en anglais ou en français, à vous de décider. Ce livre-là ne vous donnera pas vraiment rien de nouveau si vous connaissez déjà les médias sociaux, mais c'est vraiment, selon moi, le meilleur livre pour développer un argumentaire et convaincre vos gestionnaires de l'importance d'utiliser les médias sociaux et le web pour développer justement des relations. Oui, c'est peut-être tourné un petit peu côté plus affaires et entreprises, mais on est en mesure d'extrapoler justement des concepts et de pouvoir les utiliser en bibliothèque ou pour tout autre service pour lequel vous travaillez. Trust Agents de Chris Brogan et Julian Smith. C'est un livre qui m'a rappelé mes cours de communication du bac. C'est un livre justement qui vise à promouvoir justement les individus qui sont des agents de confiance sur le web. Ça m'a beaucoup fait penser à Personal Influence de Katz et Lazarsfeld, qui avait développé justement une théorie comme quoi que la communication ne se faisait pas de communicateur vers le récepteur, mais à travers justement des intermédiaires qui allaient remâcher justement le message et le partager autour d'eux. Donc pour moi, Trust Agent, c'est une version très actuelle de ça. Finalement, pour terminer, Groundswell, justement, de Charlene Lee et Josh Bernoff. C'est un livre qui est vraiment intéressant pour le côté d'aller miner, en fait, une sorte de base de connaissances à l'intérieur de nos organisations. Il y a des exemples très concrets où est-ce qu'on nous explique comment on a créé des réseaux à même, justement, l'organisation et de pouvoir, justement, aller chercher de l'information dedans. Par exemple, on avait découvert que beaucoup des employés de Best Buy se tenaient justement sur des réseaux de jeux vidéo et jouaient justement le soir en ligne et discutaient justement de travail pendant les jeux. Ils faisaient la résolution de problèmes entre eux sur des forums parce qu'ils savaient que ça allait aider justement leurs collègues. Donc, pour moi, c'est une belle façon justement de démontrer la collaboration interne d'une organisation qui peut être très aussi utile pour une bibliothèque ou le milieu documentaire. Donc, merci beaucoup et j'espère que vous aimerez les suggestions de lecture.